C'est une question, qu'est-ce qui se passe? La langue maternelle, c'est une question, une question de personne. Deux personnes. Qui ça? Avec qui ça? Recréer le contact. Le contact. Une question. Le personne. Avec qui recréer le contact avec la réalité? Ça, la réalité. Une question de personne. Avec qui recréer le contact avec la radioactivité, avec la réalité? Avec je. Avec deux personnes, avec ça la réalité, je, avec personne, avec réalité. L'autre. Plus pied, plus bras. Trois, chaud. Plus pied. Plus pied, plus bras. Tronc. Plus pied. De préférence plus bras, plus allongé. Tête. Tronc. Café, cigarette, onde. Café, cigarette, relation onde. Sans cesse. Relation sans cesse. L'œil en petite coupure. L'œil en petite coupure. Telle est la vision. Telle est la vision. Telle est la réalité. Telle est la réalité. Téléprospectrice. Téléprospectrice. Télépathétique. Télédéportée. Telle est l'autre. Telle est l'autre. Froid. Froid. Et si, supposons, tu changes de parfum, en plus. Tu vois un peu dans quelle merde je suis. D'avoir cru que c'était toi dans la rue Bergère tout à l'heure. Toi qui avais changé de parfum. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'espace est immense? N'est-ce pas que l'espace est immense entre nos yeux? Oh! N'est-ce pas qu'on dirait que le réel a pris du bide aujourd'hui? Franchement, mais je ne veux pas perdre mon bien. Que cela vous chante ou non. Nous m'en fout de ce prix, Nathalie Stepanovna. Moi, ce que j'en dis, c'est pour le principe. Parce que si vous le voulez, moi, je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir, puisqu'il est à moi. Oh, c'est tout de même étrange, Ivan Vassilievitch. Ah oui, parce que nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année dernière, nous vous avons prêté notre batteuse. Et notre blé a dû attendre jusqu'en novembre. Vous nous traitez comme si nous étions des Romains Michel. Vous bouffez ma propre terre. Non, mais à mon avis, ce n'est pas se comporter en bon voisin. Non, à mon avis, c'est de l'insolence, tout simplement. Ainsi, vous me prenez pour un usurpateur. Mademoiselle, je n'ai jamais volé la moindre terre à autrui, et qui m'accusera aura de mes nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est écrit? Papa, s'il te plaît, veux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré au vache à nous, Rémi? Mais bien sûr, mais c'est mon trésor. Mais comment serait-il possible? Prenons une patacherie, mais je vous au moins, soyez raisonnable. Les grands... Ma grand-mère, vous m'avez prévenu, gratuitement, la maison de grand-père.